On a souhaité donc le faire cette journée, cette conférence, en association avec l'Institut Kerlédan, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est quand même à Nantes depuis quelques années déjà, et donc son président Stéphane Bis, qui est là, donc qui va vous souhaiter aussi la bienvenue, qui va introduire. Ensuite, bon, moi je suis donc le président du comité laïque et république des Pays de la Loire, donc Baba Carla, je ne sais pas, il y a certains qui me connaissent, et d'autres, donc j'aurai l'occasion aussi d'intervenir dans le cours de la conférence. Et donc ensuite, il y a Yannick Guin, qui était un ancien adjoint à la culture, professeur d'université, donc en droit. Oui. Histoire du droit, des institutions et des idées politiques. Voilà, parce que je... Faculté de droit et des sciences politiques. Et pour finir, il y a Martin Serp, qui est donc secrétaire général de l'EGAL, Égalité Laïcité Europe, qui est en lien, donc elle saura mieux l'expliquer que moi, et qui est donc en lien avec l'Europe, en fait, hein, donc qui nous... parlera aussi du regard que les autres pays ont sur la France, particulièrement l'approche anglo-saxonne de la laïcité par rapport à nous. Et voilà, donc je ne vais pas faire plus long et je vais passer la parole à Stéphane pour l'introduction de la conférence.